Alors toi, comment tu ressens l'ambiance du festival, si tu as fait un tour déjà, et comment tu ressens les choses? Bien, là, ce qui vient de se passer aux signatures, c'était incroyable. Il y avait des témoignages incroyables. J'ai déjà fait des festivals métal. Le premier que j'ai fait il y a très longtemps, c'était le SILAC, et à Lyon, à côté de Lyon. Et là, j'étais surpris, je l'ai fait deux fois, et la première fois, je me suis un peu sur le métal. À cette époque-là, je faisais des prestations seul, et j'ai dit, mais il faut que j'amène quand même un guitariste, tu vois. Donc j'ai amené un guitariste, et si tu veux, moi, c'est là que je me suis rendu compte que ceux qui sont métalleux maintenant étaient enfants, donc c'est normal, ils ont regardé la télévision, tu vois, c'est un peu la même tendresse d'un enfant qu'on peut avoir, tu vois. Et quand toi, tu as été enfant, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la batterie? Alors, moi, c'est très simple. Écoute, moi, c'est une émission de Guy Lux. Les plus vieux vont comprendre. Il s'appelait Palmarès des chansons. Et il y avait toujours un grand orchestre en direct, tu vois. Et c'était et une fois par semaine. Et je voyais ce batteur qui était au devant, qui lisait des partitions, qui accompagnait tous les chanteurs. Et j'ai dit, mais c'est génial, tu vois. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Et au lieu d'être le mercredi soir, le jeudi soir, c'est le jeudi, je sais plus, j'ai eu la chance de faire un mercredi après-midi à la télé comme musicien. Mais c'était, je voulais être musicien professionnel, moi, si tu veux. Je voulais être batteur professionnel. Et quel batteur quel style de jeu t'as privilégié? Est-ce que tu es plutôt Ringo Starr? Est-ce que tu préfères Led Zepp? Écoute, alors, il y avait à cette époque, Led Zepp, bien sûr, c'était bien mieux que Ringo Starr. Et puis, j'avais toujours cette rumeur que c'était pas Ringo Starr qui jouait vraiment dans les séances, dans les disques, tu vois, je savais pas trop. Et donc c'était pas. Mais qui avait, moi au début, alors c'était plus jazz rock, il y avait le groupe Chicago Transit Authority qui s'appelle Chicago. Il y avait aussi un groupe qui s'appelait Blood, Sweat and Tears. Et puis il y avait surtout le batteur de Jimi Hendrix qui s'appelait, j'ai oublié le nom, mais. Qui jouait, qui en mettait partout et tout. Et je trouvais ça, ces mecs-là, et puis ces mecs-là, ils ont vraiment inventé. Après, il y a eu un gars qui a révolutionné la batterie que j'ai adoré, c'est Stewart Copeland, avec Police, où il y avait de la musicalité, tous des effets de charlet et de d'écho. Et voilà, tout ça, tu vois. Et puis, moi, je voulais faire batteur de variété, parce que j'aimais ça, et c'était. Et puis mon premier groupe à 15 ans, j'ai répondu à une petite annonce de rock et folk à l'époque, et mon premier groupe il s'appelait Magpie, et qui faisait du heavy déjà, et on jouait du soft machine, et voilà, donc c'était marrant. Puis après ma vie a fait que je me suis dirigé vers la batterie et percussion en variété. Et comment t'as rencontré tes compères des Musclés? Oh bah là, c'est on était musiciens professionnels, et si tu veux, il n'y a pas eu de casting, ça s'est fait que j'ai accompagné Dorothée depuis 1981, et on a été formé avant le club Dorothée en janvier 87. Donc si tu veux, il y avait René au saxo qui avait accompagné Sylvie Vartan pendant longtemps, et Johnny. René a été le premier saxo rock de Johnny pendant 10 ans. Et l'équipe, on a fait. Moi, j'ai appelé Framboisier, Chamboisier qui s'appelait à l'époque, parce que Framboisier faisait des séances et il avait été producteur du groupe Titanic. Enfin, non, il avait joué dans Titanic. Et après, il était producteur exécutif. Quand tu dis séance, c'est séance en studio, comme disque, ouais, voilà, studio. Voilà. Et il travaillait, Claude Chamboisier travaillait pour l'éditeur de. Island Music, je crois. Et figurez-vous que Framboisier a réalisé
le premier disque des Mathmata, où ils ont fait 900 000 ou 1 million grâce à Framboisier. Après, pour le deuxième album, alors il est sur la pochette, Framboisier, il s'était caché. Bien sûr, personne n'a voulu dire que c'était des musclés, quoi. Et après, les gars ont été un petit peu gênés, on les a très bien connus. Et pour le deuxième, ils l'ont viré, Framboisier. Ils ont, aujourd'hui, ils ont pris un producteur anglais, et ça a moins bien marché. Le second album a moins bien marché. Allez, merci. Vous vous présentez, vous me dites quel média, s'il vous plaît. Bonjour, donc bonjour. Mathieu de Rolling Stone. Rolling Stone. Déjà, c'est un plaisir. Ah non, c'est un gros, beau média. Bon, on essaye. Bah déjà, merci d'être là. Donc, vous disiez que vous faisiez avant, notamment aussi là, des prestations seules. Comment vous avez adapté vos morceaux de seuls aux versions métal qu'on connaît maintenant depuis, ça fait quelques années que votre album métal est sorti? Oui, mais avant ça, j'avais fait une expérience en 2005 déjà, avec un groupe de Colmar, très sympa, formidable, et si tu veux, c'est là que j'ai vu que ça fonctionnait bien, tu vois. En fait, tu mets des accords, les bons accords, et puis il y a de la gratte, surtout je voulais mettre de la gratte, tu vois, parce que nous, on nous reprochait que nos génériques étaient trop synthétiques, au synthé, et les japonais, c'est vrai que japonais, il y avait beaucoup plus de guitare, tu vois. Donc j'ai dit, allez-y, on met de la guitare, et j'ai eu la chance de travailler avec un jeune guitariste, qui est dans un grand groupe français. Alors on va pas dire le nom parce que le chanteur du groupe français peut-être dit, alors qu'il est fan et tout, mais un grand groupe français qui est dans mes trois groupes préférés du moment. Si on demande quels sont vos préférés français, vous saurez qu'il est dans les trois. Il s'appelle Brice. Donc j'ai eu vraiment la chance avec ce gars-là. On a eu du mal sur certaines chansons à donner un esprit, tu vois, et on trouvait pas. Et à un moment, Goldorak, il a trouvé le truc. Tu vois. Et là, c'est ça. Et donc, on avait trouvé le bon esprit. Et on a eu beaucoup de mal aussi à faire. Bien, je tenais absolument à mettre la merguez partie et la fête au village, que je vais faire ce soir d'ailleurs. Je suis très fier. Et si vous voulez, là, c'était un peu plus dur parce que ce sont des marches. Et faire une marche en métal, mais bon, on l'a fait en marche, voilà. Et du coup, c'est quoi le secret pour adapter une marche en version métal? Oh ben, il n'y a pas de secret, c'est pas terrible, c'est... Le secret, c'est la bonne humeur, c'est la gratte devant, et puis tu me diras ce soir, t'écouteras. Avec plaisir. Merci. Je me permets. Du coup, les trois fameux groupes préférés, quels sont-ils? Alors, actuellement, c'est Ultra Vomit, et j'attends, bien sûr, comme vous tous, La Puissance du Pouvoir, c'est un super titre. Ultra Vomit, il y a Rise of the North Stars et Gojira, bien sûr, mais c'est le deuxième, allez. Vous l'écrivez pas, non. C'est pour le chanteur Alec, non, comment il s'appelle le chanteur de Rise? Vitia. En tout cas, son nom de scène, c'est Vitia, il me semble. Victor, c'est ça, non, je crois. Ouais. Je connais pas son vrai nom, je connais pas à ce point-là. Ne marquez pas le nom. Valentin pour West France. Alors, super. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans un événement de cette ampleur? Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant autant de monde, devant autant de gens qui viennent vous voir, surtout une heure où bah, tout le monde est prêt pour vous? Écoutez, je suis venu en Bretagne chanter pas mal de fois. J'ai fait des conventions aussi en Bretagne. Et je sais que c'est un très bon public, mais je viens pas assez souvent en Bretagne, je sais pas pourquoi, les créneaux ou quoi, je sais pas. Et je sais que c'est un très bon public. Et là, un événement de cette ampleur, pour moi, c'est... Je suis très touché, et je suis très touché de la façon dont ça s'est fait. Yann Le Barélec est venu me voir une fois l'an dernier au Macumba Festival, puis il a plu, et on n'a pas pu jouer. Et alors je ne sais pas si c'est pour ça, il y a un moment, tout était annulé, il y avait de l'eau partout, ça, et à un moment j'entends de la musique, comme un peu là, vous voyez, je dis mais comment ça se fait? J'entends un DJ, de la musique, mais comment ça se fait? Il se passe quoi? C'est quoi? On m'a dit, bah, c'est, les mecs se sont rassemblés sous un chapiteau, ils font la fête. J'ai dit à mon épouse, bah, passe-moi le Mac USB, et je suis allé chanter quelques titres là-bas, et voilà, je ne sais pas si ça... Si c'est ça qui l'a convaincu, parce qu'il y avait une super ambiance, c'était délirant. Ils ont chanté à tue-tête. Et après, il est venu me voir au Ferrailleur. Vous voyez, c'était très sympa à Nantes.
Et voilà, on a eu un bon contact. Mais moi, je savais qu'il avait pris Henri Dess. Il avait osé faire Henri Dess il y a quelques années. Et donc voilà, c'est tout naturellement, mais c'est sympa. Et je pense qu'il ne sera pas déçu ce soir, et personne ne sera déçu. Et votre projet de Metal Band a 4 ans maintenant. Vous avez quelle relation avec le public metal? Comment ça se passe? Très bonne. Très bonne. Ils sont adorables, mais oui, c'est vraiment adorable. Je vous l'ai déjà dit, mais tous les métalleux ont été enfants. Je ne sais même pas si vous l'avez pas repris déjà à Ouest France, dans le truc d'aujourd'hui ou d'autres fois. Non, ça n'a pas été repris. La jeune fille, elle voulait faire la... Non, c'est pas, il n'y a pas, voilà, ils vont chanter très fort, ils font la fête, et voilà, non, ça, il n'y a pas de différence, je ne fais pas de différence, non, il n'y a pas de problème pour ça, je ne suis pas inquiet du tout. Rolling Stone, vas-y. Et du coup, vous avez déjà sorti un album, donc comme disait mon confrère il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a un projet d'en sortir éventuellement un autre, toujours dans le... Alors d'abord, j'ai pas eu de chance, comme beaucoup de monde, parce qu'il est sorti le 13 février 2020. Et on devait commencer la tournée, une belle tournée, le 13 mars 2020. Et le 13 mars 2020, c'est là où tout s'est arrêté. Après, le label qui avait fait ça, ils ont tout arrêté aussi. Ils ont même vendu cet album-là en solde, sans que je sois au courant, sans rien, enfin c'était odieux. Et donc voilà, mais il n'y a pas eu le travail qui aurait dû être fait, notamment sur YouTube et tout. Moi, c'est pour ça que là j'ai repris les chansons et ça va vivre et ça va, ça vit. Alors refaire après, oui, je pense que... Il faudra faire quelque chose l'an prochain, réenregistrer des trucs, oui, un petit, et puis pourquoi pas tenter 3-4 chansons originales, ce sera rigolo aussi. J'ai des petites idées, on essaiera de faire des trucs rigolos, voilà. C'était justement ce que j'avais demandé, c'est quoi ces fameuses idées en morceaux originaux? Je peux rien vous dire, après on va me piquer les idées après, non, c'est pas encore la SACEM. On croise les doigts en tout cas. Merci, gentil. Que tu as vécu à travers le succès de Musclé du Club Dorothée, la grande starification et le top 50, tu étais au top des tops. Top. Comment tu as vécu cette époque de starification? Est-ce que c'était facile à vivre? Et ensuite, tu as aussi eu la fin du Club Dorothée, oui. Et la fin un peu donc, du showbiz fort pour les Musclés. Oui. Comment tu as vécu, entre guillemets, cette traversée du désert? Eh bien, je vais te dire exactement. Donc au début, d'abord, nous, ce n'était pas la starification. Nous, on n'a jamais été stars. La star, c'était Dorothée, tu vois. Nous, on était des petites vedettes populaires, certes. Et donc, on l'a vécu tout à fait normalement. Et c'était très agréable de jouer pour les enfants, que ce soit les émissions télévisuelles ou tous les bercy qu'on a fait avec Dorothée. C'est un bonheur d'entendre les enfants crier. C'est magnifique aussi. Maintenant, ils sont grands. Ils vont crier aussi. Ils ont grandi. Et alors, la fin, c'est une bonne truc. Alors, nous, on savait que ça allait, qu'ils avaient un contrat de 10 ans. On l'a su sur la fin, tu vois, par Jean-Luc Azoulay, par le producteur. Et... on savait que, si tu veux, les problèmes sont venus que AB a voulu faire un satellite. Et bien sûr, TF1 a mal pris, parce que TF1 faisait TPS, je crois, aussi. Donc, le contrat s'est vraiment terminé au bout des 10 ans, tu vois. Et on savait aussi que les deux dernières années, le TF1 a voulu supprimer les vieux. C'était notamment les trois héros et même nous, tu vois. Mais Jean-Luc Azoulay était très fidèle. Jean-Luc Azoulay était très fidèle et nous a fait travailler jusqu'à la fin, les sitcoms. Il nous a fait mettre dans la tranche jeunesse, tu vois. Et ça, c'est très sympa. Et donc, quand ça s'est arrêté, alors ça, c'est important, tout à l'heure, on m'a posé la question, mais quand ça s'est arrêté, croyez-moi, les gars, donc c'était en 1997. Je devais avoir à peu près donc 44 ans. Ouais, 44 ans, vous voyez. Et pour moi, c'était fini.
c'était la fin d'une époque, d'une même aventure, mais jamais je n'aurais imaginé que j'en chanterais ces titres-là. Parce que la nostalgie, rappelez-vous, à cette époque-là, il y avait, la nostalgie, elle arrivait beaucoup plus tard. Demandez à vos parents, la nostalgie arrivait à 50 ballets, donc il y a une nostalgie du Paso d'Or, de Tignor aussi, tu vois, mais pas tout de suite. Et puis bizarrement, de 97 à l'arrêt jusqu'en 2000, c'est là où j'ai repris en 2000, il ne se passait rien. Rien n'aboutissait pour moi. J'ai même dit, mais Dame Chance m'a abandonné, tu vois. Je pensais ça. Et puis on m'appelle pour le Queen en mai 2000 pour faire 3 chansons, 10 minutes. Et là, il y avait 1700 personnes. Et puis c'est la première fois où il y avait un drap au premier étage, Bernard Antenne. Tu vois, je me suis pris pour Patrick Bruel, parce qu'il chantait tout. Et c'était une surprise. Et après, j'enchaînais tout de suite avec les jeunesses de les soirées de la jeunesse dorée à Paris. Et après, les soirées étudiantes, là aussi, c'était une merveilleuse époque, les soirées étudiantes, parce que je suis même venu à Couette-Quidan pour à Saint-Cyr, faire une soirée pour Saint-Cyr. Croyez-moi, et les mecs, ils y allaient. Hein. Et j'ai même dormi dans Saint-Cyr, dans une chambre générale. Et c'était incroyable. Ça, c'est un bon souvenir, vraiment. Et j'ai jamais retrouvé les gars, mais j'aimerais bien surtout les générales maintenant. Ah oui, c'est sûr. Donc si, voilà, je les embrasse, ceux qui ont organisé ou ceux qui étaient là à Couette-Quidan quand on a fait... Voilà, et puis les soirées, et après les discothèques. Alors c'était marrant les discothèques parce que je suis venu au Guilvinec aussi en discothèque, je suis venu, j'ai vu pas mal de discothèques. Voilà, ça c'était bien aussi. Et puis beaucoup de conventions après, les conventions manga, vous savez, ces salons là. Là j'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours beaucoup. Et voilà, et puis des événements. Mais encore une fois, en Bretagne, pas assez. Donc s'il y a des tourneurs ou quoi, ou des municipalités, n'hésite pas à m'écrire bernardminet.com. C'est vrai, directement du producteur au consommateur. bernardminet.com. C'est la bonne adresse. Bonjour Bernard. Bonjour. Margot pour La Odeur. Malheureusement, moi je suis trop jeune pour avoir connu le club d'Angers, etc. Mais justement, j'ai quand même vécu mon enfance à travers ces chansons, notamment via mes parents, etc. Et c'est quasiment pareil pour ceux de ma génération et tout. Je voulais savoir quel regard tu portes vis-à-vis de l'héritage que tu as laissé à la musique française et comment tu te sens quand tu vois que tout le monde connaît, même ceux qui sont entre guillemets trop jeunes. Ma chérie, la musique française, c'est un bien grand mot. Oui, mais... C'est à l'amitié et à l'amour, si oui, tu veux. Oui, mais... façon de parler. Mais non, mais c'est un truc, ça a été nouveau aussi. C'est le sujet de la transmission. Ça se voit beaucoup, et ça, c'est grâce à YouTube, les gars. Parce que vous avez YouTube, au début de YouTube, alors le papa ou la maman lui dit, tiens, regarde, moi j'écoutais ça, je regardais ça comme dessin animé, écoutez ça. Et YouTube, la particularité, c'est que sur le côté, vous avez tous les autres titres. Donc forcément, le gamin, il voit Dragon Ball, il est attiré, tu vois, à Dragon Ball. Ah bah oui, et puis après, les Chevaliers Zodiac, qui sont un phénomène, j'ai eu la chance, parce que faut vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance à chanter tous ces trucs-là. Beaucoup, beaucoup de chance. Parce que quand, en 97, on a pris l'antenne, le producteur Jean-Luc Azoulay m'a appelé pour faire 15 génériques. Dans les 15 génériques, on connaissait avec qu'un personnage qui était Goldorak, qui avait été chanté 10 ans avant. Donc, je trouvais normal que 10 ans après, il change de générique. Et Bioman, je ne savais pas que c'était passé en catimini sur Canal+, en 84. Et donc voilà, et après tous les autres titres étaient nouveaux, des nouveaux dessins animés, Collège Foufou, Juliette Je t'aime, Les Chevaliers du Zodiac, vous voyez, c'était incroyable. Et finalement, voilà, on ne savait pas, on ne s'imaginait pas que 30 ans après, je les chanterai encore. Hein. Non, jamais on s'imagine, mais cette transmission est importante, où souvent c'est les grands frères, les grandes sœurs, les petits, ils entendent les trucs et leurs grands frères leur disent ah ouais. Mais ça, c'est formidable, cette transmission qu'il y a grâce aux nouveaux médias et tout. Et puis le père est fier quand son fils, il aime bien aussi. Et le fils est fier que son père regarde des trucs bien, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis que le petit facteur, la petite voix, le petit chanteur de générique.
qu'est-ce que tu penses de tes camarades qui ont adapté leur répertoire chanson pour un public métal, comme Aldebert qui actuellement fait un Aldebert, oui, métal. Je suis impressionné. Ou Henri Tess Metal. Est-ce que toi, tu as été voir ça? Non. T'es content de... Henri Tess, il a fait ça avec ses fils, oui. Mais... Des fils qui déjà avaient repris ce répertoire enfantin en version métal. Voilà. Oui, il s'appelait, je me souviens plus. Voilà. Mais non, moi j'avais commencé en 2005. Je pense qu'Henri m'a copié. J'avais fait en 2005. Déjà. Et ses fils l'ont fait avant. Oh, je crois pas. Non. Regarde bien, je crois pas. Ah ouais. Ses fils. Après ils ont fait beaucoup plus tard. C'est même beaucoup plus tard. Tu vérifieras. D'accord. Et Aldebert, je suis impressionné parce qu'Aldebert, c'est pas la même histoire. Il remplit des zéniths. Le mec. Je connais le tarif, hein. c'est pas pareil. Là. On ne parle pas de la même chose. Hein. Et bravo à lui. C'est incroyable, il a réussi. C'est formidable. Oh oui, mais cet album métal, il marche bien. Et ça marche tout marche, tout ce qu'il fait, il marche. Bravo à lui. Très sympa, on s'est rencontré une fois. Quand on s'est rencontré l'année dernière, il m'a dit oh, bah, on va faire un duo ensemble et tout. Il ne m'a jamais rappelé. Bonjour, Van Wen pour Radio Normandie Rock. Non, moi je suis des anciennes, je suis peut-être la quinca du groupe. Alors, on est deux, donc génération. Vous inquiétez pas, il y a plus vieux que vous. Génération Dorothée, pareil, et les musclés. J'aurais voulu savoir en fait quelle. Alors on va revenir sur la parodie Bioman. Voilà. Ah. Et j'aurais voulu savoir comment tu avais ressenti la chose. Est-ce que tu n'avais pas pris ça pour une offense ou une attaque en fait, en disant pour se moquer un peu des musclés et, Oui, mais c'était leur rôle. Alors je vais raconter une anecdote complète. Donc on a vu ça, ce qui était incroyable. Il n'y a eu qu'une émission hein, des Inconnus. Hein. Une émission. Et pendant un an, dans la rue, les mecs, quand ils voyaient. Salut, bande de tarés. Oula. Oui, c'est moi Bernard Minet. Tu vois, c'est incroyable. Et je me souviens qu'à l'époque, je dis, mais moi je vais aller voir au théâtre, c'était au théâtre, tu vois, je vais aller voir. Et j'ai demandé aux attachés de presse, je dis, mais moi je vais aller voir au théâtre, et puis je vais les saluer après. Et là, c'est très drôle, ils avaient chacun leur loge au théâtre, et les trois, pareil, la même réaction, très très gênés, en s'excusant, non mais tu sais, non, vous savez, je sais pas, enfin tu vois, mais c'est incroyable quand même. Et puis alors, ça m'a beaucoup servi. Quand j'ai commencé les discothèques, si tu veux, quand j'ai commencé les discothèques, j'ai un hymne que je fais là aussi, que je vais faire ce soir, que je fais depuis 35 ans, enfin non, depuis l'année 2005. Donc ça fait... Et je fais ça, je vais le faire tout à l'heure. Donc je fais lever les bras, j'ai un hymne, je leur dis, tout le monde tape dans les mains, « Salut, bande de... » Les gens chantent taré. « Oui, c'est moi, Bernard. Qu'est-ce qu'on regardait ?» À la télé, Bioman et Dorothée. Voilà. Et ça m'a servi encore. Avant-hier, j'étais en Suisse, il y avait 10 000 personnes devant, et il y avait plusieurs chanteurs, et moi j'attaquais. Et sans entrer vraiment, parce qu'il faut faire juste 15 minutes, tu vois, donc j'ai pas fait d'entrée tout, et je rentre à foi, et je vous assure que je vous montrerai la vidéo là, que là, vous allez voir, en 5 mots, je les ai retournés les 10 000 personnes. Mais c'est vrai qu'ensuite ils ont bien bien chanté aussi. Et ça m'a servi dans les boîtes parce que au départ il y avait les mecs qui ne savaient pas trop, tu vois, parce que il y avait ce truc, mais je suis plus enfant moi. Donc Bernard Minet, puis devant les copines, devant les copains. Et ceux les premiers qui sont éclatés, les deux communautés qui sont éclatées sont les gays, la communauté gay, qui est festif et tout, ils ont mis une ambiance folle et ils s'en foutaient du regard du copain. Et les étudiants. Parce qu'ils étaient un peu comme ça aussi. Et là, les étudiants, les soirées étudiantes, c'est la folie. Et moi, j'étais surpris. On est en 2002. Et 2001, au début, quand je suis à la Jeunesse Dorée, là, avec les soirées de Jeunesse Dorée, les gars, ils avaient 20 ans ou 21 ans. Et ils étaient comme des fous. Ils ont tout. Ils ont beaucoup d'argent, vous savez, ces jeunes-là. Et donc, ils s'éclataient. Et j'y vais. Quand même, c'est incroyable que ces gars blasés, ils s'éclatent là-dessus. Et c'est là que ça a commencé de plus en plus. Et d'ailleurs, le gars qui organisait toutes ces soirées, j'étais surpris et je vais vous donner une anecdote. Donc j'avais 47 ans, 48 ans à peu près. Et je lui dis, je me disais, je lui dis, mais
t'avoueras que ce serait drôle qu'à 50 balais, je chante encore ces trucs-là, tu vois. J'en ai 70, ça se voit pas, mais j'en ai 70. Voilà, belle aventure. Donc, Julien de Hortefrance, bonjour. Bonjour, Julien. Merci pour votre présence. Merci à vous. J'ai une autre question par rapport au fait de faire des zéniths, puisque du coup, là, vous êtes programmé au même temps que Ginger qui va faire le zénith à la fin de l'année. Donc, bah, qu'est-ce qui pourrait vous manquer pour vous aussi faire un zénith, puisque vous êtes programmé en même temps? Alors, moi, je vais te dire, moi, je n'ai pas beaucoup de billetterie, contrairement à Lebert, tu vois. Parce que c'est comme ça, on m'a vu à la télé gratuitement, j'ai l'impression qu'on va pas mettre pour voir Bernard Minet, tu vois, c'est comme ça. Je sais que je fais pas beaucoup de billetterie, mais j'en fais de plus en plus et je vais en faire de plus en plus. Mais c'est pas un regret, c'est comme ça, je me prends pas la tête sur rien, mais Zénith, non, pas. Je fais des Zénith avec des autres gens des années 80, mais tout seul, non, c'est impossible, j'y crois pas. Tu parlais tout à l'heure de l'expérience un peu délicate autour de la sortie de l'album en 2020, cette période de Covid difficile, et tes difficultés à ce moment-là avec le label. T'en es où aujourd'hui avec les labels Maison Disque? Bah, tu sais, je suis allé voir un avocat, un gros avocat. D'ailleurs, c'est le mec de Kobe il s'appelle Kubi. C'est le gars qui a défendu la Société Générale, la Kerviel, qui a défendu Kerviel. Ah, okay. Lui, c'est un bon avocat, tu vois. Alors, il m'a dit à Media One, si on sort le fusil, ils vont sortir le bazooka. Et donc, ça voulait dire, j'ai aucune chance, Media One, c'est un très, très gros groupe. C'est eux qui ont racheté AB. Et voilà, je suis victime. Alors, je vais essayer de me défendre un peu, mais c'est comme ça. En tout cas, celle du Monde Taré, je l'ai fait en seconde chanson. Hein. Elle est magnifique. On a une super version. Voilà. Mais puis tu sais, maintenant le disque, alors ça a beaucoup changé. Hein. Il y a ces histoires de. Maintenant, ce sont les écoutes. Alors la musique urbaine, les rappeurs et tout, les gars ont le temps d'écouter 50 fois par jour dans leur téléphone. Mais les gars du manga ou les métalleux qui écouteraient ces choses-là, ils n'ont pas le temps d'écouter 50 fois par jour, tu vois. Donc on a du mal à passer. Ça, moi, j'ai connu l'âge d'or. Si tu, une anecdote, nous, le 45 tours de Bioman, il y a des familles qui m'ont dit « Mais monsieur, je l'ai acheté 6 fois, 8 fois. Pourquoi ?» Parce que c'est dans le manche-disque. Et dès que le gamin a bousculé le manche-disque, c'était rien, il fallait racheter un disque, tu vois. Donc on en est loin maintenant. Ça y est, tout le monde a posé une petite question? Le télégramme, vous n'avez pas posé de question, le télégramme? On a eu tout ce qu'on voulait, là. Oui, c'est ça, c'est mieux comme ça, finalement. Allez. J'arrive à encore. Allez, le Rolling Stone. Et vous avez rien dit, là, non? Tu veux faire les Rolling Stones ou les Beatles? Ah, les Beatles. Je préfère les Beatles de très loin. Oui, non, mais oui, les Beatles. Je préfère George Harrison. Les voix, c'est ça, joli 8 pistes. Mais j'ai grande admiration maintenant pour les Rolling Stones, la carrière qu'ils font, la patate de Mick. C'est étonnant. Hein. Alors, rien à voir avec les Rolling Stones ou les Beatles. Les morceaux ont été adaptés en métal, visiblement ça marche. Est-ce qu'il y a eu des idées de les adapter dans d'autres styles de musique? Complètement. Et j'ai fait trois titres qui sont Bioman, Goldorak et les Chevaliers du Zodiac en jazz, trio. Trio, jazz, basse, batterie. Et l'histoire, en fait, ce label de Media One, ils sont distribués par Universal. Et quand un jour, un directeur d'Universal, il dit... Mais pourquoi il ne reprend pas Bioman en hard rock? Parce qu'il l'a déjà fait, tu vois. Le gars m'appelle, il dit, mais c'est vrai que vous avez fait Bioman en hard rock? Parce qu'il m'en a parlé, le gars. Je dis, mais bien sûr, il a raison. Et j'avais fait ces trois titres-là, qu'on a mis sur une compile d'ailleurs, une compile de Dorothée, une compile à moi l'essentiel, oui, c'est ça. Et ces trois titres-là sur une compile l'essentiel, vous pouvez peut-être trouver sur... Pour les écouter sur Spotify et tout, c'est dans la compile l'essentiel. Et là, il y a les trois titres jazz. Et donc, au départ, on devait faire deux
deux CD dans l'album, un CD jazz et un CD métal. Et le gars de Mediawan, pour le CD de jazz, il voulait pas payer. Il disait, mais non, vous savez Bernard, vous savez combien c'est le tarif syndical d'un musicien? Il me sort à moi. Mais je dis, attendez, j'ai jamais travaillé au tarif syndical des musiciens, parce que c'est pour les violons, et c'est pour les, tu vois, c'est pas pour... Et mes potes, jamais aussi, donc ils font pas... Et alors, je me suis énervé, je dis, bah tu vois, tu sais, on va pas faire le truc jazz, ça m'intéresse pas. On fera que le... Et j'ai bien fait, ça aurait été trop... Tu vois, ça aurait été trop distinct la glotte, et de toute manière, les jazzeux m'auraient jamais accepté dans un festival. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un guitare jazz et un guitare métal, oui, vous connaissez. Alors, moi oui. Elle est tellement vraie, raconte-la. Bah, c'est un guitariste jazz, il joue 3000 accords devant 3 personnes, et le guitariste rock, c'est l'inverse. Voilà. Et c'est vrai que c'était tout ça, c'est vrai. Ah, quand même. Alors pour Metal Fury. Vas-y, mon Timmy. Un petit peu. Et du coup, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Ça parce que voilà, nous, on était. Je peux tutoyer, je sais pas si ouais, ça. On était derrière l'écran à regarder. Et là, ça sort de l'écran, c'est en 3D, c'est magique. Et j'ai même pas les lunettes, quoi. Tu peux même les toucher. Ouais, non, mais peut-être pas. Alors du coup, on parle de chansons de Saint-Limé, mis en métal. Et quels groupes ont influencé en fait à la base toutes ces musiques rock, métal pour mettre ces chansons en métal? Quel groupe? En fait, c'était général, tu vois, c'était la guitare, jouer de la guitare, et oui, voilà. Et moi, j'étais très très impressionné, je suis toujours très impressionné par ces grands groupes de métal. Par les guitaristes d'abord, qui arrivent à faire leur chorus en courant. J'aime beaucoup Queen, par exemple. J'aime beaucoup Metallica, tu vois. Là, ces guitaristes qui arrivent à faire, à être ensemble et tout, sur des distances incroyables. Même avec des oreillettes, je veux dire, faut y aller, tu vois. Par ces batteurs, la double pédale. Moi, je ne sais pas jouer de double pédale. J'ai jamais joué de double pédale. C'était pas mon époque, et puis je rame. Et par contre, moi j'ai un batteur ce soir, vous allez voir, c'est un champion, et lui, la double médaille, il y va, tu vois. Ça m'impressionnait, le physique de tous les batteurs, tu vois, et les chanteurs, la voix des chanteurs que moi je n'ai pas fait, j'ai pas voulu, moi j'ai pas changé ma voix sur cet album, tu vois. Et voilà, je chante pas ma voix, j'ai pas voulu faire une parodie, j'ai fait mon son de voix, mais la puissance de ces chanteurs... C'est incroyable, je pourrais pas, hein, c'est fou. Hein. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces grandes stars et tous ces musiciens qui font ça, quoi. Beaucoup, beaucoup. Et tous les groupes, quand je vois les groupes français, les groupes moins connus, c'est impressionnant. Et donc un groupe préféré dans cela? Ah ben je l'ai dit, Ultra Vomit et Rise of the North Star. Ça c'est un groupe français, mais en groupe international. Ah bon, ben, je l'ai dit aussi, Metallica. Queen, alors j'étais impressionné parce que Queen, il y avait un batteur-chanteur. Et il fait les voix, Roger, hein. Roger Taylor, il fait les voix. Ça aussi, c'est bien pour un musicien. Moi, j'invite tous les jeunes musiciens dans leur groupe à faire des chœurs, à faire des voix. Ça remplit le truc et puis c'est sympa. Et un batteur, c'est bien quand il fait des voix et tout. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais joué en Suisse. Oui. Donc, tu as fait d'autres pays, est-ce que tu penses aller jouer au Japon? Parce que ça pourrait être intéressant. Alors, ouais, très intéressant. Je fais Belgique et la Suisse, tu vois, francophone. Mais au Japon, c'est pas tout à fait pareil, si tu veux. Il y a moins d'engouement pour les chansons françaises, ils s'en foutent un peu. Et il y a aussi une baisse dans les vieux, il y a moins, tu vois, il y a quelques conventions. Ils invitent les biomènes. Je crois pas que. Alors pour la communauté française, oui, ça pourrait. Même pour le métal, hein, simplement. Mais écoute, si t'as les connexions, vas-y. On peut les réfléchir. Non, il y a un mec qui m'a appelé pour Madrid, là, il n'y a pas longtemps. Mais pas avec le groupe, tu vois. Tout seul. Avec le groupe, c'est trop cher.
Allez, ma chérie. J'aurais voulu savoir, en fait, pardon, aux chansons françaises, donc tout ce qui était nos mangas à l'époque, oui. Est-ce que tu étais obligé de tenir un cahier des charges par rapport à la version japonaise? Est-ce que tu n'étais pas censuré? Tu avais... D'abord, c'est pas moi, je suis l'interprète. L'interprète, mais voilà, le parolier était censuré par rapport à la version japonaise chantée. Non, j'ai expliqué l'histoire de faire des nouveaux génériques, c'est comme, je prends l'exemple de Dallas. Dallas, quand vous achetiez Dallas pour passer dans un pays, vous pouviez changer le générique du début et de fin. Et tout ça, c'est pour faire des droits éditoriaux aux producteurs qui rachètent, d'accord? Donc là, Jean-Luc Azoulay, qui est très très fort, il a décidé de faire... C'est pour ça, d'ailleurs, sur Bioman, c'est marqué « Nouveau générique », je crois. Et donc, il faisait... Et alors, comment il faisait ça? Et il avait la Bible, quand vous achetez, il a la Bible de l'histoire et tout, avec tous les paroles. Alors, je prends l'exemple de Juliette, je t'aime. Alors, Juliette, je... à la pension des Mimosa. Tout le... Donc, on savait que c'est la pension des Mimosa. Donc, lui, il faisait des chansons comme ça. Il écrivait comme si nous, on parle, tu vois. Il faisait les rimes. Donc, il prenait à la pension des Mimosa, tout le monde est heureux. Même si quelquefois, le ciel n'est pas toujours bleu. Tu vois. Voilà, il faisait vite les rimes, il mettait les rimes. Et puis. Hugo est amoureux, enfin, Juliette, tu vois, il prenait les paroles et puis une mélodie simpliste qu'il faisait, où il sifflait avec Gérard Salès, le co-compositeur, et c'était très simple pour lui. Après, quand il a fait des chansons plus sérieuses, notamment Changer tout ça, que j'ai eu, parce que j'ai chanté des chansons sur la planète, là, il prenait plus de temps, tu vois, il a mis 2 jours là pour faire ça. Mais les génériques, moi, je l'ai vu faire. C'est incroyable. Vous voyez, quand on relève des paroles, ben, lui, nous, on prend le temps de relever, on écoute, on copie, ben, lui, il écrivait comme si on relevait. Ça, c'est, et puis il a une force de bien faire sonner les pieds et tout, et c'est incroyable. Et puis, il a pris l'option de mettre toujours les mêmes mots, certes, mais enfin, c'était des mots importants pour un enfant. Moi, je suis très fier de ces chansons parce que, on va prendre Goldorak, go, rétro, va accomplir ta mission, tu vois. Tu parlais, il y a des belles phrases qu'il faut. Je voulais faire un jour un livre comme ça, reprendre toutes ces phrases choc de toutes les paroles et d'autres. Voilà, ça c'était important, je crois. Et puis, il faut aussi que je nomme Dorothée, parce que Dorothée, c'est grâce à elle d'abord. Vous savez, c'est la seule star au monde qui a poussé ses musiciens, hein, Dorothée. Vous ne voyez pas Madonna ou Taylor Swift qui va pousser ses musiciens, surtout pas. Mais elle, voilà, elle était ravie, elle travaillait beaucoup, c'est une vraie professionnelle. Je suis très fier aussi des concerts avec Dorothée, c'est qu'il n'y a pas de tricherie. Azoulay respectait le public d'enfants, il y avait le meilleur matériel comme Madonna, comme Johnny, le meilleur éclairagiste. Les grosses sonos, il n'y avait pas de playback avec Dorothée, il n'y avait pas de bande, il y avait des danseurs, des musiciens, et j'étais fier de ce côté-là de participer à l'éducation du concert des enfants, tu vois, et je me disais, bah, au moins, eux, ils ne seront pas à voir par la suite, bon, ils sont faits à voir après, mais c'est comme ça, moi, j'ai tout mon truc. Merci à vous. Merci beaucoup. Super. Vous allez assister quand même. Et donc vous verrez que il y aura d'ambiance, c'est sûr.